Edmond veut acheter un véhicule tout électrique de l'année. Il compte profiter des rabais gouvernementaux. En effet, depuis mai 2019, le fédéral offre un rabais pouvant aller jusqu'à 5 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique neuf. Et le Québec, tout comme la Colombie-Britannique, offre des rabais supplémentaires pouvant atteindre respectivement 8 000 et 3 000 $. Des rabais qui sont appliqués après le calcul des frais et des taxes. Et voilà qu'Edmond trouve le modèle de ses rêves à un prix incroyable, 35 000 $. Wow. Ailleurs, le même modèle se vend au moins 42 000 $. Il se rend chez le concessionnaire et, déception, il réalise que ce n'est pas une véritable aubaine. Car, en réalité, ce véhicule coûte 48 000 $. Oh. Mais le commerçant a soustrait les rabais gouvernementaux et l'a annoncé à ce prix déjà réduit. Hein? Il coûte donc beaucoup plus cher que le véhicule proposé à 42 000 $, avant les rabais, comme le prévoit la loi. En effet, au Québec, comme en Colombie-Britannique, la loi oblige les concessionnaires à afficher clairement le prix du véhicule avant l'application des rabais. Le fin mot de l'histoire, méfiez-vous des offres électrisantes de certains concessionnaires.